Nathalie, tu veux commencer? Nathalie, tu nous entends? Oui. Oups. On va démarrer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à chacun et à chacune de vous à ce webinaire. Je m'appelle Nathalie, directrice de Sabre au Sénégal, et je suis avec mes collègues de Sabre Ouest Africa et de Sabre France. Comme vous le savez, il y a 7 mois, nous sommes passés à l'ère de la COVID-19 et nous tentons maintenant, tant bien que mal, de revenir à la normale. Cette pandémie nous a prouvé qu'avoir des outils technologiques de pointe est la clé pour continuer à bien travailler en tant qu'agent du tourisme et surtout de pouvoir travailler à distance. Voilà pourquoi ce matin, nous avons pensé nous réunir dans ce cadre d'échange sur les solutions technologiques afin qu'ensemble, nous fassions du voyage une réalité, car notre approche, c'est votre avenir. Mesdames et messieurs, chers partenaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, là, j'ai cité les pays où Sabre est déjà présent. Nous vous souhaitons la bienvenue. À vous, nos futurs partenaires de la Mauritanie, du Gabon, du Burkina Faso, du Mali et du Bénin,
présents aussi dans ce webinaire, nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Nous saluons aussi la présence effective des compagnies aériennes, telles que Air Sénégal, Air Côte d'Ivoire, Air France, Kenya Airways, Ethiopian, Emirates, SN Bruxelles, Turkish, Iberia, Askai, Delta, Air Portugal, Tunisair. Nous vous disons merci de votre présence. Nous saluons la présence effective de M. Fabrice Saïri, directeur régional de IATA en Afrique centrale et de l'Ouest, qui tout à l'heure nous dira quelques mots sur les conséquences de cette pandémie et les prévisions de IATA, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Nous saluons ici la présence de M. Babandoy, le représentant du ministère du Tourisme et des associations professionnelles de voyage de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, respectivement représentés par Mme Marie-Reine Conné et M. Cher Gueye. Ce webinaire va durer environ 2 heures et vous pourrez poser toutes vos questions à travers le chat. Et les experts qui sont en ligne se feront un plaisir d'y apporter des éléments de réponse au fur et à mesure par écrit. N'hésitez donc surtout pas à écrire et à consulter aussi les réponses qui seront fournies. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Marie-Reine Conné, qui est la présidente de l'Association des professionnels du voyage en Côte d'Ivoire et qui est aussi directrice de Afrique, l'agence Afrique Voyage. Madame Conné. Madame Marie-Reine Conné. Daré, est-ce que Madame Conné est là? Oui, je pense qu'elle vient de sortir, on attend un peu. Elle était connectée, mais elle n'est plus là. Oui, bonjour, excusez-moi, un tout petit problème de connexion. Est-ce que je suis entendue maintenant? Oui. Bien. Je ne me représente donc pas, puisque vous l'avez fait, je vous en remercie. Je souhaite vraiment un grand bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Vos invités sont de tous les bords du transport aérien et du tourisme, et c'est vraiment, vraiment tout à l'honneur de Sabre de pouvoir nous réunir ainsi sur un débat sur ce qui nous arrive maintenant. Alors, ma première préoccupation, bien sûr, c'est de savoir si vous êtes tous en bonne santé, je l'espère. Nous traversons une crise mondiale sans précédent et nous, agences de voyage comme hôteliers et tous les acteurs du tourisme, nous sommes fortement impactés. Tout dernièrement, j'ai lu dans un magazine de tourisme en ligne « Acteurs du tourisme, 2 points, silence, on coule ». Doit-on s'arrêter sur cette note si alarmiste? Je ne le pense pas, bien sûr. L'homme, comme toute espèce animale, est appelé à s'adapter. Nous allons nous adapter, c'est sûr. Même si nous avons traversé des périodes de découragement, nous avons obligation de réagir. Nous devons envisager notre futur. Doit-il être différent de ce que nous aurions pu envisager sans cette pandémie? Ben, oui, je pense, hein, très certainement. Il est donc intéressant d'imaginer collectivement ce futur différent. Certaines orientations vont devoir être envisagées au niveau du tourisme et au niveau de l'aérien, bien entendu.
Nous avons obligation de réagir et de se réinventer. Nous avons tenu le coup depuis avril dernier, soit bientôt 8 mois. Imaginez nos fonctionnaires sans salaire. Depuis 7 mois, nos pays s'effondreraient. Mais pas nous. Peut-être que des solutions, si ça s'était passé, peut-être que des solutions à la COVID-19 auraient été inventées. Nous, nous sommes toujours là. Nous avons de la ressource. C'est notre premier constat. Et il est positif. Bon, à ce titre, je crois que nous méritons de nous auto-féliciter, si vous me le permettez. Nous allons devoir générer une nouvelle économie du marché touristique, nationale, régionale, puis internationale, pour nos populations plus ou moins nanties, mais également pour d'autres catégories qui sont peut-être des touristes potentiels. Je pense aux touristes pèlerins, aux touristes locaux. Ça, c'est des orientations que certains ont déjà prises, mais que nous pouvons peut-être envisager de multiplier. La billetterie d'affaires est en recul. Le télétravail, les visioconférences sont à l'honneur. Pour combien de temps? Les contacts physiques vont vite redevenir nécessaires et indispensables. C'est vraiment dans la nature de l'homme, et j'en suis tellement convaincue que ça me donne un petit peu une vision optimiste. L'une des premières orientations pour ce futur différent est de nous rapprocher au plus près de nos clients, écouter leurs besoins, leurs choix. Notre approche commerciale doit s'intensifier. Et elle s'intensifiera comment? Eh bien, en informant, en conseillant, en étant de plus en plus présent. C'est la digitalisation, qui nous permettra cette performance. Et elle est à notre portée. Beaucoup parmi nous, ils sont déjà en plein dans cette digitalisation. Pour les compagnies aériennes, eh bien, pour la plupart, elles ont bénéficié d'aides substantielles de leur gouvernement. Cependant, on a envie de leur dire qu'elles doivent s'accorder pour renforcer leur partenariat avec nos structures, agences de voyage, qui sont indispensables à la commercialisation de leurs produits. Ces compagnies aériennes doivent également nous permettre enfin les remboursements directs. Les ventes ont repris, les remboursements directs doivent reprendre. Elles doivent également bloquer tous les ADM qui ont été rédigés lors du plus fort de la crise, c'est-à-dire en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet de cette année. Nombreuses sont les agences de voyage qui sont asphyxiées par ces ADM. Nous devons être vigilants et à l'écoute de tout ce qu'il se passe dans le reste du monde. Et ça, pourquoi? Pour demander et obtenir de nos gouvernements des aides conséquentes afin de réduire nos charges constantes. Certains pays se sont distingués par des actions plus ou moins efficaces, mais tout de même des actions sur la fiscalité, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des pays de notre zone subsaharienne. Les gouvernements doivent également se prononcer sur l'aide aux salariés, qui est notre principale préoccupation. Nous devons nous inspirer des exemples qui sont déjà nombreux dans le monde, pas dans notre sous-région, hélas, je le répète, mais dans le monde, nous avons des exemples de ce qui est possible de faire. Bon, enfin, eh bien, nous devons être suffisamment unis pour faire remonter à IATA toute violation des résolutions par certaines compagnies. À quoi je pense, par exemple, je pense essentiellement à nos problèmes de remboursement qui sont aujourd'hui vraiment le problème essentiel que nous avons avec les compagnies aériennes. Aujourd'hui, il est impossible de rembourser des billets d'avion pour un grand nombre d'entre elles. D'autres sont en train de restreindre ce qu'elles nous avaient commencé à nous accorder. Donc, on demande vraiment à IATA de prendre une position. Il y a des résolutions qui permettent de réglementer ces problèmes de remboursement. Pour nos fournisseurs, les GDS, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, puisque nous sommes avec Sabre, nous espérons de nos GDS, Sabre en particulier, des solutions innovantes. Et bien entendu, nous allons nous faire un plaisir d'écouter les spécialistes que Sabre a mis à notre disposition grâce à ce webinaire ce matin. Donc, je souhaite à tous une excellente séance et on attend bien entendu
et les questions et les réponses. Merci. Merci beaucoup, Madame Colin. Merci pour vos mots. Merci pour vos paroles d'espoir pour le tourisme en général et particulièrement pour les acteurs de tourisme que nous sommes. Nous avons aussi entendu votre cri de cœur à l'endroit des compagnies aériennes de IATA et aussi de Sabre pour les solutions innovantes. Donc, je m'en vais d'ailleurs laisser la parole à Mélanie. Alors, Mélanie, elle est de Sabre France. C'est notre expert en plusieurs solutions, vous verrez tout à l'heure, les solutions technologiques. Elle est consultante technique chez Sabre France et elle travaille, on va dire, avec Sabre depuis une dizaine d'années. Voilà, Madame Mélanie Mestard, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent. Alors, je vais pouvoir partager mon écran. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y avait des gens qui avaient du mal à voir. Est-ce que vous visualisez bien mon écran ? Nathalie, est-ce que tu peux juste me faire signe ? Oui. Oui, ok, parfait. Donc, en fait, je vais essayer de vous montrer un certain nombre de solutions. Ensuite, vous verrez, je vous dis juste un petit peu quel est le déroulé de cette présentation. Vous aurez également donc Virginie qui vous présentera donc les API. J'ai déjà vu qu'il y avait des questions et oui, Virginie vous présentera les API de Sabre. Et Maurizio vous présentera la solution corporate avec le SBT GADER qui est le SBT de Sabre. Moi, je vais vous montrer un ensemble de solutions que Sabre présente. C'est à la fois donc, l'outil des agents de voyage, mais également toutes les solutions pour une optimisation et pour vraiment présenter, en fait, si vous voulez, cette gamme assez large. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, Sabre a vraiment investi dans la technologie. C'est vraiment important pour Sabre d'avoir toujours un coup d'avance parce qu'effectivement, même s'il y a aujourd'hui cette pandémie, il n'empêche que le monde, de toute façon, était en train de changer. On parle beaucoup de NDC, on parle beaucoup justement des API, de cette souplesse que les agences de voyage souhaitent. Et pas que, parce que bien évidemment, on présente aussi cette technologie aux compagnies aériennes. Vous savez qu'il y a aussi toutes ces Air Extra qui sont arrivées depuis de nombreuses années maintenant. Donc, il a vraiment fallu s'adapter et créer un nouveau GDS. L'idée, c'était, vous allez le voir, je vais vous présenter une solution graphique, mais ce n'est pas uniquement un coup de peinture et de mettre du graphique, parce que ça aurait été, on va dire, simple. Mais on a vraiment écouté les agences de voyage. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que l'agence A n'a pas forcément les mêmes besoins que l'agence B ou que l'agence C, et ainsi de suite. Et donc, il a vraiment fallu, avec la technologie d'aujourd'hui, avec justement ces API, créer un nouveau GDS pour pouvoir inclure toutes ces technologies et pour pouvoir dire, voilà, on vous donne une base, bien évidemment, mais après, à vous de pouvoir jouer avec et de créer votre propre GDS. Je vais vous montrer toute cette personnalisation qui est possible et vous allez pouvoir l'étendue de ce que vous allez pouvoir faire avec Sabre. Voilà, Sabre a cette souplesse. Vous allez voir que nos API sont plus simples, on va dire, à utiliser. De nombreux API sont aujourd'hui disponibles déjà en ligne et donc vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est facile à utiliser. Aujourd'hui, on peut l'avoir sur notre smartphone, on peut l'avoir sur les tablettes. Nous avons une solution qui est disponible sur smartphone. Le client, aujourd'hui, il a besoin d'avoir de plus en plus d'informations. Donc, certes, il a son agence de voyage, mais quand son agence n'est pas disponible, ou même pour lui, il a toujours une partie de son agence directement avec lui sur son smartphone et partout. Donc, c'est vraiment important que Sabre s'adapte à toutes ces nouvelles technologies. Je vais pouvoir vous montrer en direct. Donc là, vous avez une image de l'écran avec le contenu, ce qu'on peut rechercher en type de vol. Aujourd'hui, la recherche de Sabre,
On présente qu'on est de 7 à 10%, on présente des tarifs plus bas que nos concurrents. Donc, on a vraiment mis en avant la recherche de tarifs. Vous avez jusqu'à 250 retours de tarifs. On a essayé aussi que les air extra vous soient plus visibles et que avec cette nouvelle technologie, on a aussi divisé par deux le temps de formation. Aujourd'hui, les agents de voyage, ils ont besoin de répondre rapidement à la demande du client. Ils n'ont plus besoin d'avoir autant de formats qu'on pouvait avoir avant. Aujourd'hui, ils ont besoin de se concentrer sur du conseil, sur de l'assistance. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, les agents de voyage avec cette pandémie sont importants parce qu'ils se battent aujourd'hui pour tous les clients, pour effectuer les échanges, les remboursements. Et donc, du coup, c'est vrai de donner la technologie beaucoup plus flexible à ces agents de voyage. Ils peuvent se concentrer sur autre chose, sur d'autres tâches, sur de la vente. Voilà, on espère que ça va repartir et que vous allez pouvoir vendre de nouveau plutôt que vraiment de taper des formats. Voilà, ce que je vous disais, c'est que le contenu d'Air Extra, je vais vous le montrer, et puis prochainement, cet accès complet à NDC, d'accord, qui est le futur, les compagnies aériennes vont l'intégrer au fur et à mesure. On va commencer par les compagnies plutôt dans la zone Asie, les États-Unis et l'Europe, et bien évidemment l'Afrique, mais le NDC fera partie du paysage dans le tourisme très prochainement. Donc, je vais vous montrer. Voilà cette nouvelle plateforme. Ça fait déjà quelques années qu'elle est en place, mais elle est en évolution constante. Parce que justement, pour intégrer ces nouvelles API et ces nouvelles fonctionnalités, je vais vous montrer un petit peu plus tard l'hôtel qui s'est installé là maintenant depuis un peu plus de 6 mois avec d'autres agrégateurs. Donc, on essaye vraiment de faire évoluer cette plateforme technologique. Voilà, on ne parle plus non plus que du GDS, mais c'est vraiment devenu une plateforme technologique. Bien évidemment, si les agents de voyage, parce qu'on sait l'importance des compétences aussi des agences, et c'est vrai qu'ils sont attachés à leur format. Donc, on n'a pas complètement coupé les formats. Les agents peuvent mixer entre les deux. En tout cas, les agents qui maîtrisent aujourd'hui notre GDS fonctionnent avec les deux parce qu'il y a des fonctionnalités qui… tout existe bien évidemment en graphique, mais il y a des agences qui préfèrent encore un petit peu utiliser le critique et on n'a pas bloqué complètement ces agences. Ils peuvent taper une partie du format et le reste s'affichera directement en graphique. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas bridé complètement l'agent de voyage. L'agent de voyage reste quand même au cœur de ce métier et il peut jongler directement entre les deux. D'accord ? Moi, je vais principalement, effectivement, un petit peu jongler entre les deux, mais vous montrer principalement le graphique. Là, vous voyez que vous avez donc différents onglets. Vous avez donc les profils. Les profils aujourd'hui, c'est vraiment toute une technologie pareille qui est très souple. Ça vous permet de faire des extractions. On a créé des modèles pour que vous ayez vraiment, pour tout ce qui est corporate, vous ayez une uniformisation de vos profils pour qu'il y ait vraiment une professionnalisation. Si par exemple un client précise qu'il préfère être côté hublot ou côté couloir, c'est quelque chose, une information qui va remonter immédiatement dans le dossier et donc du coup qui apportera vraiment un service particulier au client. Vous avez la possibilité de rechercher les différents tarifs de vol, donc je vous ai dit jusqu'à 250 réponses. Les hôtels, on verra ça tout à l'heure, la voiture et après rechercher les différents dossiers. Donc ça, ce sont les différents onglets qui existent aujourd'hui. Vous avez la possibilité en graphique de constituer un PNR complet. Vous voyez que vous pouvez juste cliquer sur « Ajouter au PNR » et vous pouvez donc sélectionner. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un voyageur, d'un numéro de téléphone, d'un champ de signature et un délai d'émission, d'accord, ce qu'on appelle la time limit. D'accord, vous voyez que notre plateforme est en français, d'accord.
Et donc voilà, vous avez juste maintenant, vous pouvez ajouter les différents éléments dont vous avez besoin pour constituer votre PNR et ça s'affiche automatiquement. Et l'agent n'a plus qu'à remplir les cases si elles ne sont pas déjà pré-remplies par un profil client. D'accord ? Donc tout dépend de votre typologie d'agence. Ici, vous avez ce qu'on appelle les workflows. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Le workflow, en fait, c'est… encore une fois, c'est vraiment ça fait partie de la personnalisation. Ça, c'est de la personnalisation que nous, Sabre, nous avons créée. Et après, on vous la donne pour personnaliser et pour mettre encore plus d'éléments qui correspondent à votre agence. Mais voilà, on a donné aujourd'hui un agent de voyage, il a besoin de réserver rapidement. Il a besoin d'émettre un billet. Donc, en fait, on a facilité ce process d'émission où, en fait, l'agent n'a plus qu'à renseigner les différents champs et le billet s'émet automatiquement. Il n'y a plus à connaître effectivement les formats. Pareil pour mettre en file d'appel. Aujourd'hui, les queues, alors on verra après qu'on a d'autres outils qui permettent cette gestion de file d'appel. Mais on a donné voilà, ces espèces de process, le workflow, le terme, c'est vrai que ce n'est pas forcément un terme que l'on a en français, donc c'est pour ça que de temps en temps, on a laissé le terme anglais. Voilà, c'est vraiment se dire que le process de travail, on l'a mis à disposition pour aider l'agent de voyage et pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Pareil, échanger le billet, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans vos agences. Et donc, pour simplifier ce workflow, avant, il fallait suivre étape 1, 2, 3, 4. Là, maintenant, il n'y a plus ce genre d'étape, puisqu'en fait, c'est l'outil qui va amener directement ce fameux process d'échange de billets. Donc, il y a moins de sources d'erreurs. On va voir aussi qu'on vous fournit également des outils pour éviter les ADM. Mais en tout cas, c'est déjà aussi une partie d'outils qui vous empêche d'avoir des ADM, puisqu'en fait, c'est l'outil qui va faire les recherches à votre place. Donc, il y a moins de sources d'erreurs. Je vais vous montrer. Donc là, je suis obligée de taper parce que du coup, je me mets. Voilà. D'accord. Donc, on va rechercher un vol. Vous avez vu, c'est assez simple. Si je ne connaissais pas les codes, dans ces cas-là, je pourrais taper le nom en entier. D'accord ? Si je le connais, ben, j'ai juste à le taper. Il y a de l'autocomplétion. Donc, en fait, c'est assez simple à renseigner. Voilà. Je peux préciser les heures. Vous voyez qu'il y a l'autocomplétion, puisqu'en fait, dès que je tabule, mon retour s'affiche automatiquement par défaut. Donc, je n'ai pas besoin de taper. Donc, là aussi, c'est un gain de temps. Bien évidemment, je pourrais rajouter d'autres vols ou en diminuer si, par exemple, ce n'était qu'un aller simple. Vous pouvez préciser le nombre de passagers que vous souhaitez, les compagnies aériennes, les cabines. Donc, si vous souhaitez ne voir que, par exemple, que de l'éco, que de la business, que de la premium. Le nombre de stops que vous souhaitez également. D'accord ? Vous pouvez avoir une recherche par date. Je vous montrerai également où avec un autre exemple où on visualise un tableau qui, de toute façon, n'aurait pas pu être créé en cryptique. En cryptique, aujourd'hui, vous êtes assez limité quand vous faites une demande de recherche de tarif. En règle générale, le système il est basé sur la date à laquelle vous le demandez. Or là, en fait, des fois, le client, alors un peu moins en corpo, mais un peu plus dans le loisir, le client, s'il est à la recherche du meilleur prix, il va vous demander et le jour d'avant, et le jour d'après. Et donc, là, en fait, l'agent est obligé, en fait, était obligé avant de refaire les demandes de disponibilité avant, après, pour savoir quels étaient les meilleurs tarifs. Or là, aujourd'hui, on peut avoir une présentation sous plus ou moins 7 jours. Donc, c'est beaucoup plus simple dans la recherche de tarification. Dans les critères avancés, on peut préciser les alliances. Si, par exemple, des clients, surtout en corpo, sont attachés avec leur carte, bon, j'ai cité Flying Blue voilà, pour Air France, mais il y en a d'autres, bien évidemment, et ils sont attachés à cette alliance, vous pouvez le préciser. Les codes et les identifiants de société. Aujourd'hui, vos clients corpo ont des identifiants de société. Sachez que ce sera déjà pré-rempli si vous appelez votre profil. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui seront déjà avancés avec ce profil. Voilà. Donc là, il y a énormément de possibilités. Malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer. Donc, on va faire une recherche de tarifs voilà, sur cette destination.
Vous allez voir aussi qu'il y a la possibilité d'avoir du multi-billet. En l'occurrence, ben là, voilà, ça va s'afficher. Donc, ce qu'on appelle le multi-billet, c'est qu'en fait, le système, il vous fait un aller simple et un retour simple. Et il a combiné les deux et il s'est aperçu qu'en fait, les deux avaient un tarif un petit peu moins cher. Donc, c'est pour ça qu'il vous mettra toujours l'ensemble du billet, d'accord ? Mais l'agent n'a pas à faire différentes manipulations. C'est juste que là, il le voit et donc c'est très visible. Pour l'agent de voyage, c'est très clair. Et donc, le client aura deux billets, un pour l'aller et un pour le billet retour. Vous allez voir aussi que ça permet de pouvoir un petit peu aussi jouer avec les billets. Alors, par exemple, plus en Europe, par exemple, quand on fait l'aller avec Air France et le retour avec EasyJet, ben, c'est quelque chose aujourd'hui en critique, aurait été compliqué. Aujourd'hui, avec ce type de technologie, c'est très simple. On peut prendre l'aller avec Air France ou le retour avec EasyJet et ainsi de suite. Et le tarif augmentera ici ou diminuera si le tarif était moins cher. Mais en tout cas, voilà, on aura l'information beaucoup plus rapidement qu'avant. D'accord ? Donc là, vous voyez ici que vous avez donc le tarif. Si vous passez la souris dessus, vous avez vraiment son détail. Vous voyez qu'il y a des bagages qui sont directement inclus. Et je peux vraiment visualiser toutes les informations. Je peux avoir également, donc là en l'occurrence, puisque c'est du multi-billet, je clique sur cette petite flèche verte et je vois les notes tarifaires qui sont toujours un petit peu compliquées, etc. Quand on débute, là on clique directement sur les pénalités et on voit l'information. Ça c'est pour mon premier billet. Je clique ensuite sur le billet numéro 2 qui était en fait le retour. Et pareil, je peux visualiser l'ensemble, bien évidemment, de la note tarifaire ou alors peut me concentrer uniquement sur la note tarifaire. Je peux la copier, je peux l'envoyer à mes clients ou je peux me l'envoyer à moi en fonction. Voilà, vous avez une multitude de possibilités sur cette présentation. Après, c'est très simple. Vous allez voir que vous pouvez juste réserver et enregistrer et la tarification apparaît. Voilà, donc vous avez ici et elle s'enregistre. Vous voyez que vous avez des petits cadenas là sur le côté. C'est que tout simplement, en fait, le système vous dit que les vols ne sont pas liés. Donc, admettons le vol de 20h40, par exemple, m'intéresse. Donc, je vais cliquer dessus. Bon, là, il ne me donne qu'une seule possibilité sur le vol de retour de 16h55, d'accord, à 337,64 €. Voilà, d'accord. Ouais, je vais vous montrer d'autres possibilités. Je vais vous faire un autre exemple, justement, avec et vous pourrez voir comment apparaîtront les vols NDC dans le futur. Je vais vous montrer, justement, un Paris-Nice. Je vais garder les mêmes dates. Je ne précise pas de compagnie aérienne pour que, justement, le système me donne toutes ces compagnies. Là, vous allez voir tout le spectre du tableau et après, je vous montrerai le plus ou moins 3 jours sur cette même destination. Là, vous avez jusqu'à 250 réponses. Si là, vraiment, je scrollais jusqu'à la fin, d'accord, si je descendais sur mon écran, j'aurais jusqu'à 250 réponses. D'accord. Donc là, vous voyez principalement donc, EasyJet. Vous avez aussi la possibilité de filtrer. Voilà, est-ce que vous voulez par compagnie aérienne, le type de source. Et vous voyez que vous avez les sources de tarifs API, Sabre et demain, ce sera NDC. D'accord ? Donc, pour l'agent, c'est assez simple. Vous voyez que la notion d'API, pourquoi API ? Parce qu'en fait, les compagnies low cost passent justement depuis déjà de nombreuses années sur des API. Et lorsque vous avez un vol Sabre, comme par exemple sur Air France, ce sera écrit Sabre. D'accord ? Et demain, bah, vous aurez la même chose avec écrit NDC. Donc, on n'aura pas besoin de passer sur une autre plateforme, pas besoin d'aller consulter autre chose. Tous les vols seront directement intégrés dans une seule et même plateforme. L'agent aura juste l'information sur la droite. Donc là, pareil, si admettons le vol de 7h du matin, c'est peut-être un peu tôt sur EasyJet, donc je préfère le vol de 11h15 par exemple sur Air France. Il va donc me proposer le même prix, vous voyez, avec différents vols d'Air France.
Voilà, et je n'ai pas besoin d'aller chercher autre chose ou un autre vol plus cher. Ils me donnent tous les différents vols qui sont proposés avec Air France. Donc là, par exemple, le retour le 18h05, je rappuie sur mon petit cadenas et ça me présente mon vol de à 127,34 €. Le tarif est light, donc vous avez aussi l'accès à ces fameux branded fares dont on parle, ces familles de tarifs. Et lorsqu'on clique dessus, ces familles de tarifs, vous avez la possibilité, voilà, en un seul clic, d'avoir accès au tarif light, au tarif standard, flex, Bizleisure et ainsi de suite. Toute la gamme tarifaire en fait d'Air France dans ces familles de tarifs. Donc si par exemple mon client, vous lui dites le tarif était à 127,34 € en light, c'est-à-dire sans bagage, et que le client préfère un bagage, voilà, vous n'avez pas besoin de partir sur des nouvelles recherches qui vont vous perdre du temps. Vous cliquez directement sur standard et le système va automatiquement modifier la classe de réservation, enregistrer votre tarif. Et il va passer directement à 154. D'accord ? Donc, en fait, voilà, en un clic, 157,34 €. On voit bien que le bagage est directement inclus, puisque maintenant, le bagage n'est plus grisé. Maintenant, il est plein. Voilà. Donc, c'est vraiment ça où vraiment, vous voyez, en quelques clics, vous avez une notion de... avec toutes les informations qui est importante. Donc, vous avez les familles de tarifs. Vous avez également... bien évidemment, accès au plan cabine. Ça aussi, c'est de plus en plus important. Les clients le souhaitent et le réclament. Donc, lorsque c'est accessible, vous y avez accès. Lorsque les compagnies aériennes l'autorisent, bien évidemment. Et les Air Extra. Donc, vous savez que ça aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, les Air Extra font partie de la tendance. Aujourd'hui, les compagnies aériennes ont des billets sans bagages, donc il faut pouvoir rajouter les bagages et puis rajouter d'autres prestations. Des compagnies aériennes font payer maintenant certains types de repas et puis également du service, non seulement à bord, mais également du service au sol, puisque vous pouvez payer des lounges, ce genre de choses. Voilà, en un clic, je sais exactement quel est mon tarif sur le vol aller, mon tarif sur le vol retour, j'ai juste à le réserver et c'est fait. Donc, il y a vraiment une simplicité dans la réservation et toute cette technologie, vous voyez, quand même assez rapide, même si là, aujourd'hui, ma connexion Internet est un peu plus lente, il n'empêche qu'en quelques secondes, en fraction de seconde, je peux avoir vraiment toute ma recherche. Et je vais vous montrer... ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce fameux tableau sur du plus ou moins 4 jours. Voilà, si mon client aujourd'hui, il est en date flexible, alors en date flexible ou week-end flexible, le week-end flexible va plus être pour des courts séjours, par exemple en Europe, quand on veut aller passer juste un court séjour à Rome et qu'on veut aller visualiser l'ensemble des tarifs sur un mois, par exemple, dans ces cas-là, ce sera des week-ends. Là, sur New York, on va plus passer sur des dates flexibles. Voilà, donc c'est ce tableau dont je vous parlais. Donc moi, j'avais dit du 10 au 20 novembre, donc il y a des vols sur Delta à 342 €. Mais si je passais du 10 au 22 novembre, dans ces cas-là, je passe avec Delta à 316 €. Donc là, vous avez toutes les compagnies aériennes confondues, puisque je n'ai pas demandé une compagnie aérienne spécifique. Et donc, voilà, je peux naviguer dans ce tableau en disant à mon client, bah voilà, si vous restez 2 jours de plus, vous pouvez avoir un tarif à 316 €. Ça sera le tarif le moins cher. Et au moins, vous avez eu sur toute la semaine. Donc, moi, le maître mot, ce que j'ai envie de vous indiquer, c'est vraiment la personnalisation. Attends. Hop. Donc, c'est ce que je vous avais dit, d'accord? Donc, personnaliser avec le SDK. Je pense que Virginie pourra en reparler tout à l'heure, mais moi, je vais déjà un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule. Sabre donne une base, bien évidemment, du GDS. Et après, c'est à vous, dans votre agence, grâce à votre connaissance technologique, d'intégrer des informations que vos agents de voyage auront besoin. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, nous on n'a pas...
On a personnalisé un petit peu juste là pour cette présentation, mais vous pouvez faire bien plus. D'accord ? C'est juste pour vous montrer que vous pouvez, à cet endroit-là, personnaliser les informations. Donc, je vais vous remontrer la barre d'aide à la décision et ces fameux petits widgets que vous pouvez créer. Des widgets, en fait, c'est par exemple un lien vers un site Internet. Si, par exemple, vous avez un accord, par exemple, avec des locations de limousine ou ce genre de choses, si c'est quelque chose que votre agence propose, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un petit lien ici, au niveau du widget, pour dire à votre agent de voyage, surtout n'oublie pas de réserver la limousine. Voilà, c'est des choses, puisque ça, Sabre ne peut pas maîtriser sur tout l'ensemble des agences de voyage dans le monde, parce que justement, chaque agence est différente. On vous laisse la possibilité de rajouter votre propre contenu et d'être vraiment, de créer votre propre GDS. Et le fameux workflow que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, moi, je vous ai montré ce que Sabre avait créé en workflow. Mais si vous voulez créer votre propre workflow et en rajouter, pour que, par exemple, vous avez justement cette fameuse réservation de limousine, qu'elle soit directement intégrée dans Sabre, eh bien, ce sera quelque chose qui sera possible. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, donc là, on a rajouté, puisque tout à l'heure, je vous montre les deux écrans, vous aviez ça au préalable, d'accord ? Vous avez donc ces cinq petites fonctions. Et ici, maintenant, vous voyez dans l'autre, vous en avez beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que l'agence a rajouté, par exemple ici, on peut rajouter le fait d'ouvrir un dossier plus rapidement, de le mettre dans une file d'appel bien spécifique ou d'ouvrir des parties du billet. Ou là, par exemple, ça peut être carrément un message. D'accord ? Alors, bon, nous, là, pour l'exemple, on a juste mis « message », mais sachez que vous pouvez mettre directement toutes vos informations que vous avez besoin dans votre agence. Ensuite, vous avez également donc, ce fameux workflow, ce que je vous ai remontré tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Tout à l'heure, vous avez en noir ce que Sabre a présenté, et en vert, c'est tout ce que l'agence a rajouté. Donc, en fait, par exemple, du codé-décodé, même si on l'avait déjà mis, mais voilà, c'est des choses que l'agence a décidé de mettre en plus pour aider ses agents de voyage à aller plus vite dans ses tâches quotidiennes. D'accord ? Et pour ça, nous aussi, on a mis en place des Red Apps. Vous voyez ici sur la droite. D'accord ? Les Red Apps, ce sont des petits applicatifs que Sabre a mis en place depuis déjà quelques années à disposition. Pareil, si vous avez des développeurs au sein de votre agence, vous pouvez également créer vos propres Red Apps et les mettre directement à disposition. Par exemple, le groupe Wizard, si vous avez des agences qui font du groupe, aujourd'hui, on est en Europe en tout cas, c'est le marché que je connais le mieux, on est vraiment l'un des leaders sur la réservation de groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette Red Apps, elle a vraiment révolutionné. Avant, c'était compliqué de rentrer les noms. On perdait du temps dans la tarification qui est bien évidemment manuelle. La tarification est manuelle sur les groupes. Et grâce en fait à cet applicatif, vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous téléchargez un fichier avec tous les noms et le système y rentre pour vous toutes les informations. Donc voilà, donc on a vraiment développé toute une technologie qui s'adapte vraiment à tout type d'agence de voyage. Je vais peut-être accélérer parce que du coup, j'ai énormément de produits à vous montrer et le temps passe très, très vite. Je voulais vous montrer également CSL, dont on a beaucoup parlé. Donc, c'est la nouvelle technologie hôtel qui est arrivée depuis quelques mois. Et ce n'est plus que Sabre parce qu'avant, vous savez, dans les GDS, vous aviez du contenu, le contenu des différents hôteliers. Sauf que là, aujourd'hui, nous avons intégré à la fin de l'année prochaine, on aura trois agrégateurs. Aujourd'hui, nous avons Booking.com. À la fin de l'année, on aura Beds Online. Et à la fin de l'année d'après, on aura donc fin 2021 ou au cours de l'année 2021, on aura également Expedia. Donc, ce qui nous fait plus d'un million de propositions d'hôtels. Donc, ce qui est énorme, vous avez vraiment un choix assez important. Et pareil, on utilise également encore cette technologie d'API et c'est donc cette technologie peut être intégrée au SBT de votre agence, d'accord ? Elle peut être adaptée à Agedair dont Maurizio parlera tout à l'heure et puis elle est déjà intégrée comme vous voyez ici aux différents SBT voilà, Concur, qu'on connaît ou KDS.
Donc, vous avez vraiment, voilà, vous avez la couverture de Sabre dans le monde et elle est extrêmement importante. On est à plus de 90%, vous voyez, sur une grosse partie du territoire. Et là, avec Booking et Beds Online, c'est vraiment très important. Donc, je vais vous montrer. Donc, pareil, je passe toujours par la saisie assistée. Donc là, je fais mon... Voilà. Donc, je pourrais mettre plus de recherche. Je pourrais rechercher par rapport à... au nombre d'étoiles ou ce genre de choses. Mais là, je ne vais pas me limiter pour pouvoir vraiment avoir le plus d'informations possible. Je vais re-signer, pardon. Voilà. Pareil, si le client, il vous appelait un profil avant, si le client il avait une carte de fidélité dans tel ou tel hôtel, bien évidemment, ce serait déjà pré-populé. Donc, vous voyez que vous avez une version graphique et qui est quand même déjà beaucoup plus facile à lire. Vous avez ici booking.com. Parce que c'est le meilleur tarif. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite flèche ici. Et en fait, quand vous cliquez sur cette flèche, elle vous indique que vous avez le tarif avec Booking, le tarif avec Sabre. Demain, ce sera également donc Beds Online. Et plus tard, vous aurez Expedia. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de pouvoir comparer les différents agrégateurs en un seul clic. Et ce qui vous permettra aussi de vous, puisqu'on ne sait pas, par exemple, quelle est votre valeur de commission, admettons, avec Booking, et de vous dire, bon, bah, par exemple, peut-être que le tarif Beds Online est peut-être un petit peu plus cher, mais finalement, avec Booking, j'ai peut-être un peu plus de commission ou vice-versa. Donc, ça vous permettra en tout cas en un coup d'œil, en tout cas à vos agents de voyage en un coup d'œil, de se dire, bon, bah, voilà, je vais peut-être là où il y a le plus de commission, même si le tarif est peut-être un petit peu plus cher. Vous voyez également qu'on a une nouvelle icône qui est Stay Safe et qui est donc lié au Covid, puisqu'en fait, les hôteliers qui ont eu un agrément pour comme quoi ils respectent les mesures barrières, ça s'affiche directement dans Sabre. Vous avez la possibilité de visualiser directement sur une carte. Vous pouvez l'agrandir. Et là, lorsque vous passez en fait la souris sur l'hôtel que vous souhaitez, vous voyez qu'il devient vert et vous visualisez exactement où est-ce qu'il est situé sur la carte. Vous avez accès aux vidéos, aux photos en fonction de l'hôtel, bien sûr, parce que certains hôteliers n'ont pas souhaité mettre des informations, mais ils sont quand même assez nombreux à avoir renseigné. Soit ce sont des courtes vidéos, soit voilà, directement des photos. Donc, c'est vraiment très intuitif, c'est très simple. Vous pouvez également avoir des filtres. Avec, vous voyez, par exemple, avec Booking. Encore une fois, voilà, demain, ce sera également Booking, Beds Online et Expedia, ou avoir directement le contenu. Vous pouvez directement aussi les classements. Est-ce que vous voulez plus d'étoiles ou moins d'étoiles par rapport à une distance, par rapport à un endroit bien non spécifique? Vous pouvez trier. Et donc, la réservation est vraiment ultra simple. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est vraiment très important, c'est le fait de pouvoir avoir ce million d'hôteliers et d'hôtels qui seront vraiment à votre disposition. Voilà, la couverture étant tellement importante qu'il n'y aura pas de raison que vous ne puissiez pas trouver une chambre d'hôtel pour vos clients. Mélanie ? Oui ? C'est tellement intéressant que certains participants souhaitent que vous partiez, que ce soit un peu moins rapide. Ah, d'accord. Alors, le problème, c'est qu'il me reste 8 minutes et que j'ai encore deux gros outils à vous présenter. Je suis désolée. J'essaye de faire le maximum, de vous donner un maximum d'informations. Voilà, je vais essayer de réduire, mais on verra s'il reste un petit peu de temps pour tout à l'heure. Ce que je voulais vous présenter également, c'est l'envoi de propositions. La proposition de voyage, parce que, encore une fois, le métier d'agent de voyage,
c'est pas seulement de réserver et de le client parte. Aujourd'hui, c'est vraiment la fidélisation et encore cette personnalisation. Et donc, on vous propose de personnaliser également votre contact avec, avec le client final. Et pour cela, vous allez pouvoir lui proposer différents types de voyages. Mais quelque chose de simple. Avant, peut-être que vous faisiez un email, des copier-coller avec, avec les GDS qui ne sont pas forcément toujours très lisibles. Et donc, là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'uniformiser, d'avoir quelque chose de très propre et en tout cas personnalisé avec votre logo de votre agence et d'envoyer ça à votre client. Donc, c'est vraiment partager maintenant et réserver plus tard. Donc là, je vais vous le montrer en, en live, mais juste pour vous donner une idée de ce que c'est. C'est que grâce, c'est un produit qui s'appelle Trip Proposal. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des propositions de voyage au client et lui envoyer directement les informations. Donc, c'est très simple, c'est seulement en 4 étapes. Vous créez la proposition de voyage. Admettons que je veux faire un Abidjan-Douala, par exemple, et que vous pouvez me faire potentiellement de plusieurs contre-propositions avec différentes compagnies aériennes. Ou pareil, par exemple, sur New York, par défaut, je veux partir avec Air France. Mais mon patron, il voudrait peut-être qu'on trouve peut-être une autre compagnie aérienne avec différents tarifs. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir réserver ou pas le Paris-New York avec Air France, admettons, et après, enregistrer les différentes contre-propositions que vous allez faire directement à vos clients et vous lui envoyez par mail. Et si le client, il vous dit... OK, j'aime bien la proposition d'Air France, mais finalement, je préfère la proposition de British Airways, par exemple. Dans ces cas-là, vous aurez juste à un clic, et on dit bien en un seul clic, vous pourrez directement effectuer votre réservation sans avoir à tout reprendre, sans avoir à reprendre les dates, sans avoir à reprendre le parcours, sans avoir à reprendre le nom du client. Tout va se réserver automatiquement puisque vous partirez déjà de cette proposition que vous avez déjà effectuée. Voilà, vous allez avoir le type de mail, je vais vous montrer, mais ça c'est le type de mail qu'on peut envoyer directement à vos clients. En haut à gauche, vous allez voir ce que je l'ai modifié avec notre logo à nous. C'est quelque chose de plus simple qui existe bien évidemment en français, là c'était en anglais, mais vous allez voir la proposition qui s'affiche directement en français. Donc, et réservé en un clic. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, j'avais déjà en fait un client qui m'avait contacté et qui m'avait demandé de lui faire différentes contre-propositions. Donc, il voulait partir en Argentine. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà prévu. Et en fait, donc, par défaut, j'avais réservé donc, Air France. Mais je sais également, j'ai pu demander au système, en fait, voilà. Avec Iberia, le tarif est de temps, mais vous voyez que je passe par Madrid. Quand vous passez la souris dessus, vous voyez combien de temps vous restez à Madrid. Vous avez les vols exacts et les conditions exactes des vols. J'avais Air Europa, Lufthansa, et j'avais même réservé donc, 2 types d'hôtels pour mon client. En tout cas, j'avais fait la recherche pour lui dire, voilà, vous avez un tarif à 80$ et un autre tarif à 378 pour les 2 nuits que vous allez passer la première nuit à Buenos Aires. Donc, ça vous donne vraiment une idée. Voilà, donc ça m'a pris 30 secondes. Je vais vous remontrer une rapidement. Je vais vous montrer le mail qui a été envoyé. Donc, ces propositions-là, donc, elle est vraiment intégrée directement au GDS et c'est juste un outil voilà, différent. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, en fait, comme c'est quelque chose que vous pouvez copier-coller et mettre dans l'email, vous pouvez dire absolument, rédiger votre email et mettre ce que vous souhaitez au niveau du client. Donc là, il n'y a pas le logo SAM, il y aura le logo de votre agence ainsi que votre nom de l'agence et votre adresse. Et vous avez voilà tous les vols avec la première proposition. Vous avez l'option 2 qui était donc avec Madrid et Iberia.
et vous avez l'option 3. Vous voyez que vous avez également les hôtels avec ces conditions. Et après, je peux terminer mon mail en expliquant au client que je peux lui réserver sa limousine, etc. Vu que c'est dans un mail, vous pouvez complètement le personnaliser. Vous avez déjà une trame qui est faite, qui est parfaite. Vous voyez que vous avez un wording qui est déjà bien établi, mais après, vous pouvez personnaliser votre email avec le nom de votre client et lui dire bah, voilà, tout ce que vous pouvez réserver, vous pouvez faire à sa place. Et ça, pour ça, c'est très simple. Donc, je repars en fait sur ma réservation. Donc là, par exemple, je vais passer en cryptique juste pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, parce que je peux utiliser aussi les formats. Mais je vais avoir une réponse graphique. Voilà. Donc là, par exemple, Air Côte d'Ivoire, j'ai juste à cliquer sur ma classe de réservation. Et là, vous voyez que ça se réserve automatiquement. Je peux taper mon format de retour. Voilà, pareil, Air Côte d'Ivoire. Je réserve ma classe de réservation. Et je peux demander la tarification directement ici. Et vous allez voir, voilà, ici que j'ai proposé. Donc, j'ai juste à cliquer sur « Proposer » et ça va se mettre automatiquement ici sur une nouvelle petite icône. Et vous voyez que vous avez, alors là, j'ai gardé mon vol sur Argentine, mais vous voyez que j'ai également mon Abidjan Douala qui est apparu. Donc, ici, je peux créer une nouvelle proposition de voyage. Et du coup, je pourrais rajouter des hôtels, des voitures et tout ça dans une seule proposition. Donc là, si par exemple, je fais « Afficher », donc j'aurai mes anciens vols qui correspondent à l'Argentine, mais j'ai également mon vol, alors là évidemment je supprimerai tout l'Argentine et je garderai sur mon vol sur Abidjan Douala, et je pourrais très bien faire une autre demande de disponibilité pour un autre mois si le client, et au moins sur un même mail le client il voit les différentes propositions qui sont proposées. Ok, le dernier produit, il me reste 5 minutes pour vous montrer le dernier produit qui est vraiment très important, qui s'appelle donc Agency Retailer. C'est en fait tout simplement un outil qui vous permet de vraiment faire de l'optimisation tarifaire. Alors c'est pas le dernier outil, il y en a deux autres. Je pense que je vais être obligée d'un peu dépasser Nathalie. Je grignoterai sur Virginie. Pour Agency Retailer, c'est vraiment de l'optimisation tarifaire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, à partir de cet outil, de vraiment effectuer de… Par exemple, vous pouvez vérifier grâce à Netfare Panorama, vous avez la possibilité de visualiser tous vos tarifs négociés, comment ils ont été construits au niveau de la compagnie aérienne. Et après, vous avez la possibilité de pouvoir le majorer et de chercher justement ces tarifs et de pouvoir rajouter plus ou moins 2% ou 3% ou en tout cas de la somme que vous souhaitez. Mais vous avez la possibilité de vraiment, en un seul coup d'œil, de visualiser l'ensemble de vos tarifs et de pouvoir faire un nouveau tarif de vente qui sera diffusé à votre agence, mais également à toutes les agences de voyage qui sont partenaires. D'accord ? Donc ça, en règle générale, bah, par exemple en Europe, c'est beaucoup sur les consortiums, mais vous avez également cette possibilité. Et vous avez la possibilité de regarder les tarifs s'ils ont augmenté ou diminué sur les dernières 24, 48 ou 70 heures. Donc vous avez vraiment ce spectre assez large. Vous avez également la possibilité de regarder, alors je pense que c'est un peu juste au niveau du temps. Vous avez l'ensemble, attendez, je vais… C'est en fait une succession de différentes possibilités
C'est un outil qui est assez complet parce qu'il permet vraiment beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas tout vous montrer dans le détail. Par contre, je vais détailler juste pour vous dire voilà, quelles sont les différentes possibilités. Donc, Fairy Teller, c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que vous avez la possibilité avec de modifier vos tarifs négociés et de créer un nouveau tarif de vente. Le Netfair Panorama, c'est ce que je vous ai montré. Le Fair Focus, c'est tout simplement, je vous prends un exemple. Admettons que voilà, vous avez une agence qui est vraiment tournée plutôt sur du luxe et que vous n'avez pas envie que vos agents de voyage prennent les tarifs, on va dire, light, les tarifs sans bagages, et vous n'avez pas envie que les agents fassent une erreur en prenant un tarif light, ben vous pouvez tout simplement décider de supprimer les tarifs light de l'affichage de l'agent. Donc, en fait, il y aura, c'est pour ça que ce sera focus, on va focuser sur, par exemple, les tarifs directement standard où le bagage est directement inclus. Ou alors, vous pouvez focuser sur un autre type de tarif. Pareil pour le Visibility Display Manager. En fait, ça veut dire tout simplement, vous allez contrôler l'affichage de la disposition, de la disponibilité, pardon. En fait, ça veut dire, alors bien évidemment, c'est pas nous qui changeons la disponibilité des compagnies aériennes, mais si par exemple, vous ne voulez pas qu'une classe de réservation apparaisse, par exemple la plus basse, parce que vous voulez que votre agence, elle réserve la classe qui est au-dessus, et bien vous pouvez tout simplement faire qu'elle n'apparaisse pas, elle apparaîtra en non disponible, comme s'il n'y avait plus de disponibilité. Donc l'agent va automatiquement prendre la classe de réservation qui sera au-dessus. Le tagging c'est une nouvelle fonctionnalité. Justement, encore une fois, vous avez la possibilité de personnaliser vos affichages. Et en fait, vous avez la possibilité de dire à votre agence de voyage, à votre agent de voyage, attention, réserve Air Côte d'Ivoire, par exemple, en préférence. Ou attention, on a une promotion sur Air Caraïbes. Voilà. Donc, en fait, vous avez la possibilité... au moment de l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure de Sabre, voilà, à ce niveau-là, vous avez la possibilité de dire à votre agent, attention, réserve-moi cette compagnie aérienne-là en priorité parce qu'on a peut-être une promo, parce qu'on a une commission supplémentaire. Donc voilà, ce tagging, ça permet de personnaliser l'affichage que va voir votre agent. Et ça, ce sera que vous, il n'y aura pas une autre agence de voyage qui fera la même personnalisation. Et enfin, le dernier, et après je m'arrêterai là, le dernier outil, c'est Automation Hub. C'est également un outil qui est assez récent. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que, donc, je vous l'ai dit, Sabre a écouté beaucoup d'agents de voyage, on l'a personnalisé énormément. Et en fait, on s'est rendu compte que 72% de vos tâches étaient répétitives et chronophages. C'est toujours les mêmes formats, toujours les mêmes tâches qui sont vraiment répétitives et vous perdez beaucoup de temps. Or là, aujourd'hui, on va vraiment se reconcentrer sur la vente et moins justement sur ces fameuses tâches administratives. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place Automation Hub qui s'intègre automatiquement aussi à Sabre. Alors, on a, voyez, jusqu'à 11 types de produits. Alors, je ne peux pas tous vous les détailler parce qu'effectivement, on n'aura pas trop le temps. Je vais vous donner, on va dire, les principaux. On va dire Fair Optimizer. Comme son nom l'indique, c'est qu'on va aller tout le temps rechercher le meilleur tarif. Admettons que vous ayez réservé aujourd'hui un billet d'avion, on va dire Abidjan-Douala, par exemple, et le tarif est à 400 euros. D'accord ? J'ai jusqu'à 4 jours pour émettre mon billet d'avion. Et entre-temps, la compagnie aérienne, elle a pu modifier ses tarifs et en fait, le tarif aujourd'hui, il est passé peut-être à 350. Et bien, grâce à Fair Optimizer, en fait, c'est un outil qui va aller dans vos queues, dans vos files d'appel. Il va aller prendre les différents PNR et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire lui-même les types de recherches. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est comme si vous aviez un agent à domicile qui travaille H24, 7 jours sur 7, et qui va aller rechercher les meilleurs tarifs pour vous, pour faire vraiment de l'optimisation tarifaire. Et en ce moment, ça marche très bien parce que vous savez que les compagnies aériennes, justement, les types de tarifs bougent beaucoup. D'accord ? Tout en respectant, bien sûr, la franchise bagage et les règles tarifaires. Ça, c'est vous qui le mettez en place. Mais voilà, ça, c'est vraiment un outil qui est très essentiel parce qu'aujourd'hui, vous essayez justement d'optimiser un maximum vos tarifs. On a également Schedule Change. Schedule Change, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer.
Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement rappeler le client, il faut l'aviser, il faut gérer toute la prévente de ces schedule change. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simplifié. Si par exemple, c'est 5-10 minutes et que vous n'avez pas besoin d'appeler le client, le système va le faire automatiquement pour vous. Pareil, les revalidations. Les revalidations, le système va le gérer. Donc, il y a quand même une automatisation de cette tâche qui est quand même très répétitive et très contraignante. Voilà, et l'outil va le prendre en charge. Rapidement, les waiting list clearance, par exemple. La waiting list. Quand vous avez un client qui voyage et le vol est très chargé, mais vous souhaitez quand même le mettre en liste d'attente, le système va aller checker régulièrement le PNR pour savoir s'il n'y a pas la classe de réservation, elle ne se libère pas. Si elle se libère, bien évidemment, il vous le rebook. Ou alors, si vous lui dites, OK, si ça ne se libère pas, tu peux me prendre la classe qui est juste au-dessus et le système le fera pour vous. Voilà. Donc, j'ai essayé d'optimiser au maximum. Je suis désolée, je sais que voilà, je pourrais parler des heures et des jours entiers de ça, telles les propositions sont tellement importantes. Mais je sais que mes collègues, voilà, tout ce qu'ils vont vous présenter, c'est également important. Donc, je vais laisser la parole à Virginie. Merci en tout cas de votre attention. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais pouvoir vous répondre en chat. Merci, Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour cette intervention. Donc, nous retenons que Mélanie a dit que c'est important pour Sabre d'avoir une longueur d'avance, et vous avez pu donc le voir avec toutes ces solutions technologiques qui ont été déployées par Sabre. Alors, après Madame Koné et Mélanie, nous allons laisser la parole à Virginie. Ou alors, juste avant Virginie, nous allons laisser la parole à un représentant de Kenya. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes avec nos partenaires compagnies aériennes. Ils ont, Kenya Airways en l'occurrence, a juste un petit message à faire passer de 3 minutes aux consultants en voyage qui sont là. Je vais donc demander à Madame Julienne Manga, Sales Supervisor à Kenya Airways Dakar, De prendre la parole pour juste quelques minutes avant de laisser la parole à Virginie. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour. Allô? Bonjour, Julienne. Oui, nous t'entendons. Oui. Tu as la parole. Voilà. Mon nom est Julienne Manga. Je suis de Kenya Airways. Merci pour cette invitation. Merci, Nathalie. J'aimerais juste intervenir par rapport à ce que nous appelons les churnies, les abus de réservation. On a été interpellé par rapport à ça parce qu'on a eu envoyé des ADM par rapport à ça. Au niveau des GDS, les gens qui font les churnies, en fait, les GDS facturent cela à Kenya Airways. Et à chaque fois, nous envoyons des avertissements par rapport à ça, que dès que vous faites vos réservations et que ça s'annule, vous remontez encore le dossier, vous le remontez, ça s'annule, vous le remontez. Et après ça, la personne ne prend pas son billet. Il arrive, GDS que vous utilisez facture à la compagnie ces réservations qui n'ont pas été utilisées. Donc, du coup, ça revient à un montant exorbitant au niveau de la compagnie et on est obligé maintenant de refacturer ça aux agences de voyage. Donc, quand on a eu l'invitation par rapport à ça, ma patronne m'a demandé d'intervenir par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, chères agences de voyage, chers partenaires, sensibilisez vos agents par rapport à ces abus de réservation, des réservations répétitives, ou bien si la personne n'utilise pas, ne prend pas le billet, regardez dans vos fils d'appel et annulez vos réservations pour éviter ces ADM. Voilà. Nathalie, je n'ai pas abusé de votre temps. C'était seulement sur ça que je voulais intervenir et rappeler encore aux agences de voyage qui sont nos chers partenaires d'éviter ces abus de réservation. Merci pour votre attention. Merci Julienne. Donc le message de Julienne est à l'endroit des agences, c'est d'éviter de reprendre les mêmes réservations sur les mêmes dossiers. Donc pensez à changer de PNR quand il s'agit de dossiers Kenya. Alors,
Mélanie nous a présenté des solutions. Vous pourrez continuer à poser vos questions par écrit ou éventuellement vous rapprocher de vos contacts localement, SABRE selon le pays où vous êtes. Madame Virginie Labarrère, c'est ça Virginie? Labarrère, oui. Labarrère, voilà, consultante technique API, qui a environ un background d'une vingtaine d'années à SABRE, va maintenant prendre la parole pour nous parler un peu des API. Voilà, Virginie, vous avez exactement. La parole. Alors, je vais juste vérifier si vous avez bien un visuel sur mon écran. Oui, nous voyons ton écran. Okay. Eh bien, c'est parfait. Donc, en effet, moi, je suis basée en France et je suis plus spécialisée sur la partie API chez SABRE. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat tout à l'heure, donc j'espère que je répondrai à celle-ci, et sinon n'hésitez pas à me les poser de façon plus détaillée. Dans un premier temps, je voulais vous remontrer cet écran que vous avez vu tout à l'heure sur la démonstration de Mélanie. Excuse-moi Virginie, je peux te mettre en présentation? Ah, tu sais, d'accord, ne bougez pas, ouais. C'est juste un averti. Est-ce que ça se passe mieux comme ça? Attends, ouais, c'est bon, merci. Ok, parfait. J'avais le choix sur les deux. Donc, en effet, cet écran, vous l'avez déjà vu dans la présentation de Mélanie. Et l'idée, c'est en effet de vous montrer que notre outil SABRE 360, il est entièrement basé sur nos API. Donc, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous avez vu dans SABRE 360, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec nos API. Donc, en effet, et vous voyez que sur un seul et même écran, on rapatrie énormément d'informations. Vous avez toutes les API qui sont stipulées en noir sur l'écran, qui sont des API qu'on va appeler pour capturer une information et vous le mettre à disposition. Alors, on va rentrer un peu plus dans le concret de l'API. Aujourd'hui, on met à votre disposition au niveau de nos API la totalité des services. Donc, vous pouvez réserver à la fois de l'air, mais également de la voiture, de l'hôtel et notamment certaines prestations en fonction des pays qui sont le rail. Je ne pense pas que ce soit d'actualité pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, depuis le shopping, en passant par la réservation, par l'émission, par l'après-vente, tout ça peut être fait via les API aujourd'hui. D'accord ? On va tout d'abord commencer par Bargain Finder Max, qu'on nomme BFM également en langage un peu plus rapide. Donc, cette API, c'est vraiment notre API phare de recherche de tarifs. Et c'est celle que vous avez vue lorsque Mélanie a fait des disponibilités dans SABRE RED 360. Vous avez obtenu un éventail de tarifs jusqu'à 250 options différentes en fonction de différents critères. Donc, en effet, c'est une solution qui est complètement personnalisable. Donc, à l'intérieur de cette API, vous avez de multiples critères qui vont vous permettre tout simplement d'affiner votre recherche de façon à vraiment pointer sur l'offre que vous souhaitez proposer à vos voyageurs. Donc, ça va, et notamment, on a parlé de la recherche d'aéroports alternatifs. Je vous prends un exemple sur la France, que je connais mieux en effet que votre marché. Mais tout simplement, si vous souhaitez vous rendre dans le sud de la France, vous avez des aéroports comme Marseille ou comme Nice. Et bien, en effet, en pointant, en demandant à BFM de faire des recherches sur ces deux aéroports, vous pouvez potentiellement avoir une réponse plus intéressante sur Nice que sur Marseille, alors qu'il y a 100 km de différence entre les deux. De la même façon, sur le calendrier de recherche qu'on a vu également dans la démo, on peut en effet obtenir une recherche à 3 jours avant, 3 jours après, façon à proposer un calendrier de choix à mon client et en effet à une journée de différence, avoir des tarifs qui parfois ont une grosse différence en termes de montant total. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant en termes de requête. D'autres critères, donc là je vous en ai mis quelques-uns en sachant qu'il y en a, des centaines et des centaines. On notera la possibilité d'indiquer tout simplement des compagnies préférées avec lesquelles vous avez des tarifs négociés par exemple, ou des préférences ou des primes éventuellement de,
de segments, par exemple. Vous allez obtenir les informations de bagages, donc à la fois les frais, mais également le poids auquel vous avez droit ou le nombre de pièces auquel vous avez droit, et également tout ce qui est air extra. Donc, en effet, à la fois les sièges, à la fois les salons, s'il y a ce genre de choses. Le multi-ticket, c'est quelque chose dont Mélanie a également parlé. Pourquoi pas proposer deux allées simples plutôt qu'un aller-retour sur certaines destinations, c'est pertinent. Il y a vraiment un intérêt à proposer deux allées simples plutôt qu'un aller-retour. Donc, c'est vraiment des choses qui vous différencient par rapport aux clients et qui permettent de proposer des tarifs parfois avec une belle différence. Autre point important de Bargain Finder Max, c'est le change fee and refundability. C'est tout simplement le fait que le système va vous remonter également les pénalités en cas d'échange et de remboursement, ce qui va permettre en effet de décider si vous souhaitez un tarif un peu plus flexible, moyennant en effet un montant un peu plus élevé, ou vraiment un tarif très restrictif, mais avec le prix qui va avec. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont remontées par défaut dans le système. Une autre de nos forces dans nos API, ce sont ce qu'on appelle les services orchestrés. Notre objectif est vraiment de vous faciliter la vie, et notamment la vie de vos développeurs, donc ceux qui vont vraiment utiliser les API, qui vont les développer pour créer un site Internet. Et notre objectif, c'est vraiment de leur permettre de développer rapidement et de la façon la plus simple possible. Donc, un service orchestré, c'est vraiment la possibilité de, en une seule requête, d'effectuer de nombreuses actions en arrière-plan. Je vous donne un exemple très concret. Ici, vous avez la possibilité via trois API, donc Bargain Finder Max, Create Passenger Name et Enhanced Air Ticket, tout simplement de procéder à la recherche tarifaire, à la réservation de votre dossier et à l'émission de votre billet. Et là, vous avez développé trois API. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez pratique, d'assez simple. Le retour qu'on a, le feedback qu'on a de la part des développeurs en règle générale, c'est que nos API sont d'une très bien documentées et très simples d'utilisation. Donc, vous pouvez le voir, je rentre un peu dans les détails techniques, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés, c'est important. On propose des API qui sont en SOAP et en REST. Donc voilà, c'est tout ça, ça participe également à la flexibilité de nos outils. Échange de billets, ça c'est quelque chose qui est assez peu proposé, mais qui peut être vraiment différenciant. C'est de proposer potentiellement des échanges simples ou même des voids au travers de votre site internet. Donc c'est pareil, le principe est le même, hein, c'est de proposer quelque chose de très orchestré au niveau de votre billet en échange. Et vous voyez également que pour trois API, vous avez en effet développé l'échange en ligne de vos billets, donc Exchange Shopping, Book, et ensuite je réserve et j'émets via également mes API. Donc le workflow, le process est très simplifié. Pardon. Content Service for Login, Mélanie en a parlé également dans sa démo, c'est également accessible via nos API. Donc, tout ce contenu-là, vous allez pouvoir le développer via nos requêtes et accéder à la fois au contenu booking.com, au contenu Beds Online, insistant donc à la fin de l'année, et au contenu Expedia sur l'année prochaine. Et bien sûr, le contenu Sabre qui, de toute façon, déjà très important. Donc, on a un contenu qui est élargi en développant une seule API. Et vous avez également quelque chose qui est très important, c'est des données standardisées. C'est-à-dire que quelle que soit la source vers laquelle je vais piocher mon inventaire hôtel, j'aurai de toute façon les mêmes informations dans les réponses de mes API. Donc, ça, c'est vraiment également très important. Vous n'avez pas à développer l'API de Booking.com, l'API de Sabre, l'API de Beds Online. Tout est fait sur une seule et même requête. De la même façon, hein, c'est toujours dans la même idée, c'est de proposer des API orchestrées. Donc là, vous avez un process, un flux de recherche, pour utiliser le mot français, mais un flux de recherche et de réservation pour le contenu CSL
avec les détails de l'hôtel, les détails du prix, la vérification du prix, la réservation, et éventuellement la modification, l'annulation, si vous souhaitez la proposer sur votre hôtel également, sur votre site internet. Pardon. En savoir plus, donc si vous avez besoin de rentrer dans les détails de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans nos API, sur nos API, vous avez un outil qui s'appelle Sabre Dev Studio qui est à votre disposition. Et je vais vous montrer rapidement sur... Je veux bien juste que vous me disiez si vous voyez mon écran web. Mélanie ou... Non, on voit... non, la présentation pour le coup. On voit juste le lien. Ok, ça doit être voilà, ça. Là, j'ai deux écrans. Ouais. Parfait, super. Merci. Merci Mauricio. Donc là, en effet, c'est le Dev Studio. Donc c'est l'API, c'est le site internet qui est mis à disposition des développeurs et dans lequel vous avez un visuel sur toutes les API qu'on peut proposer. Alors, ce catalogue, il est vraiment disponible en fonction des types de langages que vous souhaitez développer, mais également des types de produits. Donc là, vous pouvez avoir accès directement au quota de service for lodging. Et si je veux tout simplement effectuer une recherche et voir un petit peu ce que c'est que ce Bargain Finder Max, eh bien, je vais tout simplement aller dans mon catalogue et obtenir des informations sur Bargain Finder Max. Donc là, je vais ici. Je peux en effet récupérer un peu d'informations. Et même, vous avez un try now, donc vous pouvez l'essayer et vérifier un petit peu ce que ça vous donne en termes de réponse. Et je vous conseille également de faire un tour sur ce site parce que vous avez accès, dans la rubrique Discover, vous avez accès à des exemples d'applications qui ont été faites via nos API. Donc là, vous en avez énormément. Et on vous indique en dessous quelles API on a utilisées pour construire cet outil-là. Donc vous avez des petites vidéos qui ont été mises à disposition, qui ont été faites par des agences de voyage ou par des startups ou par différents fournisseurs qui se sont intéressés à nos API et qui l'ont également mis en place pour leurs outils. Donc, je vous conseille de faire un petit tour là-dessus, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Que vous soyez client Sabre ou pas, vous avez accès à ce site internet et vous pouvez naviguer à l'intérieur de ce site. Vous n'aurez pas accès à certaines API très spécifiques que nous gardons en effet pour nos clients et auxquels vous aurez accès une fois que vous aurez un contrat salaire. Voilà, sur la partie API, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais laisser la main, je ne sais plus. Je crois que c'est à toi, Mélanie, que ça revient. Ou à Mauricio, peut-être. Nathalie, c'est à qui maintenant? C'est à moi? Ou à un représentant? Non, c'est à toi, Mauricio. Et je voudrais juste dire qu'après toi, ce sera à M. Fabrice Saïri. Alors, monsieur, merci Virginie. Monsieur Mauricio continue, directeur commercial aussi à Sabre, partenaire depuis une vingtaine d'années aussi à Sabre, va maintenant nous donner les clés pour vos clients corporate. Merci beaucoup Nathalie. Virginie, est-ce que tu peux arrêter le sharing? Voilà. On se met en screen share. Mélanie, il y a des questions dans le chat. Hein? Hop. Vous voyez mon écran? Oui, Mauricio. Très bien. Merci beaucoup. Et on démarre. Donc, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Moi, je suis Mauricio Contini, je suis directeur commercial Les Comptes Globaux. Je m'occupe des grands TMC globaux qui travaillent sur le secteur du corpo.
Donc, la partie SBT, la partie réservation de voyage, la partie gestion des process au sein d'une TMC, toute cette partie est très familière pour moi. Comme disait Nathalie, j'ai travaillé auprès de Sabre depuis une vingtaine d'années maintenant dans différentes sections. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter la partie entreprise. Vous voyez ici une roue, c'est la façon dont on aime bien présenter la partie entreprise, c'est-à-dire il y a 5 modules. Il y a Tripcase qui est une application qui regroupe différents modules de réservation ou différents modules dans la partie corpo ou entreprise. Il y a GetThere qui est l'outil de réservation en ligne mis à disposition aux entreprises. Et il y a la partie après réservation, note de frais qui s'intègre avec GetThere, où il y a différents fournisseurs qui s'intègrent avec GetThere, fournisseur de votre choix. Il y a la partie paiement pour les cartes virtuelles qui permettent de réserver sans avoir une carte de crédit corpo avec soi. Beaucoup de sociétés n'aiment plus émettre des cartes de société. Du coup, il y a des cartes virtuelles sans fraude. J'y reviendrai là-dessus. Et il y a surtout aujourd'hui en phase Covid aussi, mais ça a toujours été, mais aujourd'hui, ça prend encore plus d'importance, la partie devoir de protection qui est le mot module SafePoint. Tout en un regroupé dans Tripcase, donc un seul endroit pour les voyages. Quelques mots sur GetThere. GetThere est l'outil de réservation en ligne et GetThere est vraiment très important pour GetThere d'être disponible à tout moment, c'est-à-dire dans presque 100% des cas, GetThere est là pour vous, est là pour les entreprises, est là pour être, pour effectuer des réservations de voyage. C'est important parce que sinon, les 14 millions de transactions que nous passons à travers de GetThere annuel, ça ne se ferait pas parce que quelque part dans le monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui réserve dans GetThere et donc, il faut que l'outil soit disponible à tout moment. Autrement, on ne pourrait pas fournir cet outil à nos clients qui sont repartis dans plus de 100 pays et l'outil qui a été traduit en 16 langues différentes. C'est très important d'être disponible. Fait qu'on propose cet outil à autant de clients globaux, il y a évidemment des demandes spécifiques. La raison pour laquelle l'outil est très configurable, on a plus de 3000 options de configuration, ce qui permet de contrôler bien les dépenses sur les voyages et apporter des économies à grande échelle. Donc, comme je disais, la disponibilité est très importante, mais tout ça ne fonctionnerait pas sans l'utilisateur car il a besoin d'une interface assez simple à utiliser. Aujourd'hui, on a une techno qui est la techno responsive design. Donc, pratiquement, l'outil s'adapte en fonction du dispositif utilisé, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. L'affichage est toujours parfait, adapté. De façon que l'utilisateur, le voyageur, puisse décider à quel moment et comment utiliser cet outil de réservation sans devoir être contraint à utiliser sur un ordinateur, ou un dispositif spécifique. Vous voyez bien que les taux d'adoption donc de réservation dont l'outil sont très élevés. Ça, c'est aussi dû à la simplicité mise en place. Pourquoi l'outil apporte autant d'économies aux entreprises parce qu'il y a beaucoup de possibilités de contrôle. Le contrôle géré par la partie moteur de paramétrage, pratiquement il y a une interface intuitive qui permet de paramétrer la politique de voyage rapidement et simplement en fonction de la géographie ou du profil du voyageur. Et il y a la partie messagerie qui accompagne le voyageur le long le processus de réservation, mais aussi pendant le voyage pour lui indiquer, lui dire quoi faire, comment faire et le diriger vers la bonne option.
Et finalement, il y a l'approbation de voyage. Alors, le choix étant fait par le voyageur qui pourrait éventuellement ne pas correspondre à ce que la société souhaite, il y a l'approbation qui peut être mise en place simple et de différents niveaux pour aboutir à la bonne option. La bonne option étant celle souhaitée par l'entreprise, par vos clients. Deux mots sur la partie processus d'approbation. C'est un mail qui est envoyé aux approbateurs avec une simple possibilité d'approuver et refuser ou avoir plus d'informations sur le voyage demandé. Il y a différents niveaux d'envoi. Par exemple, un envoi simultané à différentes personnes en fonction de ce que vous avez vous en tant que TMC ou le client a souhaité paramétrer, c'est-à-dire l'approbation est envoyée à différentes personnes qui doivent être tenues, qui doivent être consultées, ou un envoi séquentiel qui envoie à différentes personnes une fois après l'autre. Donc d'abord le manager du manager, après une autre personne, histoire d'avoir couvert toutes les personnes nécessaires. Tout ça est paramétrable et simple à utiliser dans différents dispositifs. Le voyageur est informé si jamais le voyage n'est pas approuvé. Aujourd'hui, très, très, très important, surtout en phase de COVID, beaucoup, beaucoup de sociétés, comme vous le savez certainement, ont mis en place de plus en plus ces processus d'approbation avant voyage pour éviter toute insécurité. Passons à Trimcase, c'est-à-dire le voyage réservé sur Getair. L'utilisateur a l'application Trimcase qui affiche les voyages, donc l'itinéraire, mais qui permet aussi le long du voyage de dire « Ok, j'aimerais bien accéder à l'outil de réservation pour justement modifier mon voyage ou éventuellement ajouter un hôtel ou une autre prestation ». Cela peut s'avérer très important parce que, comme on le sait, pendant des voyages, ils peuvent se passer plein de choses, beaucoup de choses. Et donc, parfois, on a besoin de changer l'hôtel. L'hôtel n'a pas été réservé. Il y a quelque chose qui n'a pas allé, qui ne va pas. Et donc, qu'il faudra rajouter, par exemple, une chambre d'hôtel. Et ça se fait très bien directement sur l'application parce que l'outil est complètement intégré. Mais l'application n'est pas uniquement une application dite itinéraire, mais aussi il y a différentes autres informations qui sont utiles lors du voyage, comme des notifications de vol qui sont envoyées par email ou par notification push, des directions et cartes et d'autres informations utiles vraiment au voyage pour le voyageur. Enfin, aussi la partie que je disais avant, la messagerie personnalisée, qui n'est pas uniquement disponible dans Getair, mais aussi dans Trimcase. C'est-à-dire, il y a des messages pertinents à ce voyage, au voyage en cours, qui s'affichent au voyageur pour que le voyageur soit toujours accompagné par vous en tant que TMC ou par la société sur son voyage, pour qu'il ait les bonnes informations pour effectuer au mieux son voyage. Donc, une messagerie qui est aussi personnalisable sur l'application Trimcase. Si, par exemple, les voyageurs n'ont pas de carte corpo, carte entreprise, parce que la société ne souhaite pas émettre de ces cartes, on peut et on a la possibilité d'utiliser Sabre Virtual Payments, les cartes virtuelles, c'est-à-dire des cartes à usage unique, zéro fraude, parce qu'une fois utilisées, elles ne sont plus valables. Et la réalité est que quand on va dans un hôtel, on a besoin quand même d'afficher une carte de crédit et Trimcase permet d'afficher cette carte virtuelle sur l'application au moment du check-in et du check-out. Il reconnaît les dates et l'heure, donc il l'affiche histoire que l'hôtel puisse vérifier la carte et débiter des choses sur cette carte malgré le fait que le voyageur n'ait pas de carte de crédit émise et fournie par l'entreprise. Donc, une protection en plus là où ces cartes virtuelles sont disponibles dans le monde. Passons à SafePoint. SafePoint étant l'outil de devoir de protection, c'est-à-dire comment je sais où se trouvent mes voyageurs, comment les protéger, comment les rapatrier. Donc, il y a différentes sources d'informations. Mélanie nous a bien montré la partie offline, la partie agence connectée Sabre, là où vous allez réserver pour votre société. Et il y a aussi le SBT, le Self-Booking Tool, l'outil de réservation en ligne Getair, où le voyageur réserve son voyage.
Il y a la possibilité d'ajouter à TripCase l'outil d'itinéraire manuellement des prestations de voyage. Et comme disait aussi Virginie, on a des API corpo, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas ou votre société ne souhaite pas utiliser Getair, vous pouvez créer votre propre outil de réservation via nos API corpo qui permettent aussi de réserver. Toutes ces informations amènent les voyages dans SafePoint, histoire que SafePoint puisse connaître tous les voyages en cours. Et SafePoint suit les alertes qu'il y a dans le monde pour évaluer s'il y a un impact potentiel sur les voyageurs et leur envoyer, si besoin, un texto, un email, un message intégré dans TripCase ou une notification push. Parfois, on se trouve, par exemple, à Paris, en voyage et on ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose ailleurs, dans un autre quartier de Paris. Ça m'est arrivé d'ailleurs à Londres et j'étais notifié et je savais que je devais faire attention. Là, il n'y avait pas de risque pour moi directement, mais parfois, on est à côté d'un point de problème et on ne le sait pas. Cet outil permet de communiquer à tout moment avec les voyageurs. Et d'un point de vue TMC, agence ou corpo, un email est envoyé s'il y a un problème, une crise, et le tableau de bord que nous voyons ici est mis à jour. Le tableau de bord, justement, affiche les voyageurs en cours, les voyages en cours. Donc, par exemple, ici, un problème d'explosion quelque part à Londres, il affiche le niveau de critique, donc si c'est critique ou pas critique, donc jaune, rouge ou quoi que ce soit, et les voyageurs qui sont sur cette destination. Les voyageurs ont la possibilité de dire « j'ai besoin d'aide », donc du coup, je vois en tant que société, en tant que TMC, je vois que ces voyageurs ont besoin d'aide, ont besoin d'être contactés, et les voyageurs peuvent activer, s'ils le souhaitent, une géolocalisation, ce qui me permet de voir sur le tableau de bord où ils se trouvent, loin ou proche de la zone de crise. Ces informations peuvent être exportées dans Excel pour pouvoir être travaillées dans les équipes différentes en fonction de vos besoins. Le voyage ne finit pas au moment du voyage, le voyage continue et donc il y a une intégration avec les notes de frais, réunions, événements et d'autres outils. Donc on peut passer ces informations ailleurs et tout ça compose la partie entreprise, solution d'entreprise. Allons dans la section Get There et de la démo. Voilà, donc je me log directement sans devoir intégrer le mot de passe parce que c'est déjà mis en place par les solutions en single sign-on. Vous voyez ici la page d'accueil de Getair et il y a l'accès direct au profil, très important pour renseigner toutes les informations liées au profil. Ça rend la réservation souple. Il y a la gestion des voyages, les billets non utilisés, je reviendrai là-dessus, et les modèles de voyage pour simplifier les voyages futurs qui sont récurrents. Il y a une collection de liens personnalisables, par exemple notes de frais, passeport et visa et d'autres que vous pouvez décider à mettre à disposition aux voyageurs. Si les sociétés, pour vos clients, vos sociétés ont des organisateurs de voyage, ils peuvent voir les voyageurs ici, 50, 100, n'importe. Et pour simplement trier, on peut par exemple mettre le nom et trier, trouver le voyageur pour lequel on souhaite réserver un voyage et voir tout de suite. Par ce petit cadenas, par exemple, que ce voyageur ne me permet pas en tant qu'organisateur de modifier le profil ou que ce voyageur a une carte de crédit qui va bientôt arriver à expiration. Et je peux ici justement gérer soit le voyage, afficher le profil et faire les modifications nécessaires. Passons à la réservation de voyage. Je parlais de contrôle, je parlais de paramétrage et justement, ces options ici sont paramétrables. Donc là, on va réserver un vol, hôtel et voiture, aller-retour, recherche par heure ou par tarif. Souvent, dans les entreprises, on a besoin d'arriver à une certaine heure, à un certain endroit. Donc, la recherche par heure et celle mise à disposition par défaut, on peut changer ça par tarif. Je vais vous montrer les deux.
Là, on part de Abidjan. Comme vous voyez, Abidjan a été déjà paramétré parce que c'est souvent l'aéroport de départ. On peut le paramétrer aussi dans l'outil ou dans le profil. On sélectionne Paris PAR qui comporte les deux aéroports. Et on part en janvier du 11, par exemple, au 15. Et vu que je sais que les départs d'Abidjan sont souvent le soir, je vais paramétrer le soir pour avoir des vols plus pertinents. Et je peux combiner les différentes classes de services. Par exemple, je peux aller en éco, sortir et rentrer en éco premium. Pour simplifier la chose, je laisse telle qu'elle. Et je peux choisir si je souhaite avoir un billet flexible ou le moins cher. Pour éviter d'avoir proposer des hôtels à côté de l'aéroport, parce que c'est là où on arrive à Paris, on peut dire, OK, je souhaite visiter Sabre France, qui est paramétré dans l'outil, encore une fois, tout est une question de paramétrage et de contrôle, et dire, OK, je souhaite que les hôtels se trouvent à côté de cet endroit. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc, la demande se fait et ça, c'est une partie qui s'appelle, c'est la gestion de la demande. Justement, en fonction des critères entrés par le voyageur, on peut modifier le comportement. C'est-à-dire, on peut dire au voyageur, stop, non, ça ne va pas. Ici, tu ne peux pas faire, par exemple, et choisir une classe de service qui n'est pas autorisée. Dans ce cas-là, on a paramétré qu'on peut continuer le voyage ou la réservation, mais on peut aussi bloquer. Je parlais de messagerie. Cette messagerie est personnalisable pour donner des informations de vol à vos voyageurs. Voilà qu'on a trouvé 32 vols, beaucoup de vols, donc du coup, mais quels sont les vols pertinents? Vous voyez à gauche, il y a différentes possibilités pour trier en fonction des aéroports, des escales ou des compagnies aériennes. Moi, pour simplifier le choix, je vais supprimer les parties avec une escale et dire OK, je vais utiliser ce sans arrêt. Il y a deux options, Air France et Corsair. Pour Air France, je vois qu'il y a une préférence de la société. Ma société souhaite que je voyage sur Air France et il y a des notes voyant ça. Donc, j'ouvre et donc je vois les options d'Air France et je vois que Air France vous demande de porter un masque à bord. Donc, tout ça est paramétrable, encore une fois, par la société pour donner les informations relatives et importantes pour cette société. Il y a des classes de services qui ne sont pas autorisées, qu'on peut afficher ici ou qu'on peut complètement supprimer parce que, par exemple, ici, on a supprimé la partie premium ou classe première. On choisit le tarif aller-retour et pas les tarifs simples comme on faisait dans le offline. Mélanie nous avait montré des multiples billets, donc aller séparer du retour. On peut le faire aussi dans GetThere, mais là, pour des raisons de temps, je vais vous montrer un aller-retour simple. Donc, l'outil va chercher les vols correspondant à ce prix. Voilà, là, on a le vol d'Air France. Pareil avec les options de filtrage à gauche. Je vais sélectionner celui-ci. Encore une fois, ça, c'est paramétrable, l'information qui s'affiche ici. Et on a presque réservé notre vol. Mais j'aimerais bien vous montrer qu'il y a des options moins chères qui sont disponibles. Et ici, il y a 18 vols à trier en fonction de différents critères qu'on peut faire. Mais ici, pour des raisons de temps, j'aimerais bien quand même vous montrer une recherche par prix. Parce que si, par exemple, vous ne savez pas encore exactement à quelle heure et tout ça, vous voulez juste le vol le moins cher, ce jour-là, vous voyez, vous voulez avoir juste un aperçu, voilà. Vous avez une grille tarifaire qui s'affiche, par exemple, les vols sans escale, les vols avec un escale. Et là, je vois bien que le vol avec un escale à 405 000 francs, c'est beaucoup plus intéressant, peut-être très intéressant même. Je clique là-dessus et il s'affiche. Donc, il dure plus longtemps. Au lieu de 6h30 et 10h, il passe par Dakar. Bon, pas de problème. Je le réserve ou pas. Pour des raisons de démo, je vous affiche Air France parce que j'aimerais bien montrer une fonctionnalité spécifique. Donc, très utile si vous avez des contraintes de prix et vous. Ce point-là, je le disais au début, vous devrez peut-être prendre en compte des billets non utilisés. C'est-à-dire, l'outil a reconnu qu'il y a des billets non émis par ou non encore utilisés par Air France et il l'affiche.
Cette information n'a aucune nécessité de la part du voyageur d'actionner quelque chose. Elle est envoyée automatiquement à la TMC, à vous, pour voir si ce billet peut être réellement utilisé. Si disponible, la carte, le plan de siège va s'afficher. Et ici, on voit bien que les sièges sont payants. Si, par exemple, le voyageur a un statut particulier, une carte de fidélité, elle est prise en compte. C'est-à-dire très important de remplir le profil pour prendre en compte cette information. Et dans ce cas-là, les sièges vont s'afficher sans prix si son statut le permet. Je ne vais pas le réserver. Passons à l'hôtel. L'hôtel, pareil, on peut afficher ici un paramétrage différent de celui de l'aérien, uniquement pour l'hôtel, pour accompagner les voyageurs. Et là, l'outil me dit, attention, confirmez la date d'arrivée à l'hôtel. Parce que, là, je vais vous afficher un peu tout en bas ce qu'on a réservé. On a réservé un départ lundi 11 janvier, mais on arrive le lendemain à 6 heures. À 6 heures, généralement, les chambres ne sont pas prêtes. Donc, si on ne souhaite pas passer par la chambre, donc dans ce cas-là, on peut dire, OK, on veut avoir une chambre à partir du 12. En revanche, nous, on pense qu'à 6 heures du matin, souvent, c'était une demande des clients, à 6 heures du matin, on a peut-être envie d'aller encore à l'hôtel. Donc, on a besoin de réserver la chambre dès le 11, même si on arrive le 12, parce qu'on a besoin de la chambre disponible. Voilà qu'on se trouve avec 752 hôtels triés par les hôtels préférés par la société. Vous voyez, Primary Preferred Hotel. Il y a d'autres types de tri possibles et par défaut et de paramétrage. Et il y a aussi différents filtres possibles. Par exemple, si vous voulez juste filtrer les hôtels Hilton, vous pouvez le faire. Et il y a d'autres filtres possibles. Moi, pour des raisons simples, je vais cacher les options qui sont hors politique de voyage et ceux qui ne sont pas disponibles, ce qui me permet de voir juste ce que la société veut. Donc, trois hôtels. Je vais voir ça sur le plan. OK, où est-ce que ça se trouve? Et là, si j'agrandis la carte, je vois bien que ça, c'est le centre de la recherche, c'est-à-dire le site de la société Sabre France. Voilà, il y a le Méridien qui coûte 137 000 francs ici et le Millennium Opéra Paris est un peu moins cher. Celui-ci est un peu loin, donc je préfère voir celui-ci. Hop, on le ouvre. Donc, et il y a une note, encore une fois, contrôle. Gestion de l'outil accompagner le voyageur, cette propriété à distance de marche du siège social. Information mise à disposition par vous, la TMC ou par l'entreprise. Voilà les tarifs. Annulable un jour avant l'arrivée. Il y a différentes chambres disponibles, 18 mètres carrés, 23, 30. Celle-là, elle est hors politique de voyage parce qu'en fait, elle dépasse le montant autorisé, maximum autorisé, comme paramétré dans l'outil. On prend celle qui est moins chère. On a un récap du prix. On a un récap des conditions. Et on a un récap d'autres choses, par exemple, que ça inclut les taxes. Si jamais je veux dire, je veux être loin des ascenseurs, je peux le faire ici ou mieux le mettre dans le profil parce que le profil le ramène ici automatiquement, l'affiche ici automatiquement. Et pour être sûr que le voyageur soit sûr qu'il connaît les conditions d'annulation, on peut intégrer cette partie « J'accepte les conditions générales », on peut le supprimer, ça dépend du paramétrage que vous ou la société souhaite. La réservation de voiture, rapidement, il propose Charles de Gaulle Roissy parce qu'on arrive à Charles de Gaulle. On peut aussi choisir de prendre une voiture uniquement à partir de l'hôtel ou environ dans les entourages de l'hôtel ou à partir d'une adresse spécifique. Laissons l'aéroport. Les horaires de vol sont adaptés au vol en fonction des vols qu'on arrive d'arrivée et de retour. Et réservation express fait que la réservation se fait directement avec le fournisseur le moins cher et préféré. Je vais vous montrer la grille plutôt pour voir le choix. Et là, tous les opérateurs, tous les fournisseurs paramétrés s'affichent.
Donc, vous avez le choix des différents fournisseurs. On peut afficher les détails, par exemple, voir si ici il y a un tarif par miles ou par kilomètre. Là, pareil, là par exemple, dollar medi kilométrage illimité. Il y a quelques informations supplémentaires très utiles. Je sélectionne cette option qui va. Je sélectionne ou pas. Ah oui, ça marche. Qui va être ajouté au, à la page de réservation à la finale. Voilà. Et la finalisation du voyage, je vais réduire tout pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il y a différents secteurs, sections. Donc, il y a les détails du voyage et ainsi d'autres. Ouvrons une par une. Les détails du voyage, on peut ajouter ce voyage à quelque chose, des vols à ce voyage ou l'enregistrer en tant que modèle, comme je vous disais au début. Très utile pour les voyages récurrents. On économise du temps. Il y a les différents vols affichés. Attention, le lendemain, un petit triangle qui dit « Attention, on arrive le lendemain, modifier ou supprimer ces vols ». On a l'hôtel, pareil, modifier ou supprimer cet hôtel à ce moment, les conditions, récap, les conditions de garantie. On a la voiture dont on parle à l'instant, modifiée, supprimée. Et continuons, il y a les données du voyageur. Donc, ce sont les informations du profil qui s'affichent automatiquement. Donc, par exemple, s'il y a une carte Air France qui peut être utilisée ou on peut modifier si jamais il n'y a rien. Dans l'idéal, ces informations sont déjà dans le profil et pré-entrées. Pour la facturation, le paiement peut se faire comme paramétré. Dans ce cas-là, c'est la carte logée pour l'avion et la carte corpo, la carte d'entreprise pour les hôtels. On peut mettre en place d'autres cartes ou pas. Ça dépend du choix que vous souhaitez donner aux voyageurs. Par exemple, les cartes virtuelles peuvent être mises en place ici également. Si la société dit « Ok, j'ai besoin de tracer ces voyages et j'ai besoin de connaître où le voyageur va et pourquoi », on peut ajouter des champs temporaires, des champs, par exemple, de numéro de projet ou d'autres informations que le voyageur est censé entrer pour pouvoir finaliser son voyage, histoire de voir un reporting adapté à la société. Voilà combien coûte ce voyage dans l'ensemble, donc pas mal. Et on peut mettre ici le voyage en attente. Attention, pour le voyage en attente, ça dépend de la compagnie aérienne, si c'est permis ou pas, si elle envoie une note ou pas après pour l'émission, ou acheter et ou acheter le voyage. Je ne vais pas finaliser pour des raisons de temps ici le voyage. Je reviens sur la partie accueil. Qui a la section voyage, je vais vous montrer que dans le gérer les voyages, il s'affiche les différents voyages que vous avez fait. Donc, tous les voyages, uniquement les voyages en attente, en cours, effectués ou annulés. Donc, si je dis en cours, je vois il y a un voyage actif. Je l'ouvre, il y a un vol hôtel et voiture. Je l'ouvre et je vois le message, le voyage à la suite. C'est comme ça que le voyage se confirme au voyageur sur l'écran. Donc, il y a les détails de la confirmation, il y a le PNR, il y a la confirmation de la compagnie aérienne, de l'hôtel, de la voiture. Très important à vérifier que ça se fasse. Et après, il y a les détails du vol. Et ainsi, à la fin, il y a l'information que ce voyage est synchronisé automatiquement avec TripCase et peut voir à cet instant directement ce voyage dans TripCase et nous envoyons des emails avec la possibilité d'ajouter ce voyage dans le calendrier Outlook ou quoi que ce soit du voyageur. Donc, il reçoit les emails à ce sujet. Revenons sur la page d'accueil et sur la gestion des voyages. Après, si on est un organisateur de voyage, on peut voir des voyages pour certains voyageurs uniquement. Et trier en fonction du voyageur. Pour finaliser, la partie aide peut être très utile. Donc, il y a l'information en français disponible. Par exemple, si j'aimerais bien comprendre comment fonctionnent les voyages en attente, je clique ici et je peux voir et cliquer sur différentes sections pour comprendre comment utiliser GetThere en ligne. Mais généralement, ça se passe plutôt bien parce que c'est très intuitif.
Et je crois que je vous ai tout dit rapidement, en 30 minutes, trop rapidement. Normalement, on fait ces démos en une heure, mais vu les contraintes de temps, on ne voulait pas vous embêter plus longtemps. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer de vous répondre au mieux. Et je redonne la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Mauricio. Merci pour cette présentation. Merci à chacun de vous. Alors, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, ils nous ont présenté beaucoup de solutions technologiques. Ça a été peut-être un peu rapide parce que nous ne souhaitions pas vous garder plus de 2 heures de temps. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Il y a des bureaux locaux dans certains pays déjà de SAP. Vous avez nos contacts ou bien vous pouvez les avoir. Donc, n'hésitez pas à nous revenir pour plus d'informations sur chacun de ces produits, si toutefois ils vous intéressent. Alors, entre-temps, toujours, vous pouvez écrire vos questions via le chat. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Fabrice Saïri, qui est le titre en anglais, c'est Relationship Manager Central and West Africa. Lui aussi, il est dans le métier depuis une vingtaine d'années. Il est basé à Dakar depuis peu. Monsieur Saïri, vous avez la parole. Merci, Nathalie. On m'entend bien? Oui, on vous entend bien. D'accord. Donc, merci Nathalie et merci aux collègues de Sabre pour cette invitation et pour cette opportunité que vous donnez à IATA de pouvoir parler de façon succincte de la crise donc, que vit le transport aérien en ce moment. C'est l'une des plus graves crises que le transport aérien vit. Alors, IATA s'attend à ce que le nombre de passagers pour toute l'année 2020 en Afrique n'atteint que 30% des niveaux de 2019. Donc, c'est nettement en baisse significative par rapport au pourcentage de 45% que nous prévoyons en juillet. Donc, en chiffre absolu, la région devrait accueillir environ 45 millions de voyageurs en fin d'année pour toute l'année 2020. Contre 155 millions donc en 2019. Donc, c'est un fort impact sur le nombre de passagers. En 2021, la demande devrait se renforcer à 45%, donc on devrait remonter un tout petit peu des niveaux de 2019 pour atteindre près de 70 millions de voyageurs à l'intérieur donc, de la région africaine. Et d'après les prévisions, un retour complet au niveau de 2019 n'est pas attendu avant la fin de l'année 2023. Alors, les réservations à terme de voyages aériens au quatrième trimestre donc, de l'année 2020 montrent que la reprise continue de faiblir alors que les voyages intérieurs reprennent timidement à travers l'Afrique. À mesure que les pays rouvrent leurs frontières, les voyages internationaux, par contre, eux restent fortement limités car les principaux marchés, y compris l'Union européenne, restent fermés aux citoyens de la quasi-totalité donc, des pays africains. Donc, ce qui a ramené donc, les prévisions de demande de 45% que l'on avait à fin juillet à 30% pour l'année 2020. Donc, par rapport aux chiffres, bien entendu, de 2019. Alors, bien entendu, ceci a des conséquences catastrophiques sur non seulement les compagnies aériennes, mais tous les acteurs de l'industrie du transport aérien, dont les agents de voyage, qui devaient voir leurs activités encore plus ralentir, malheureusement, et même complètement s'arrêter. Si rien n'est fait et si des mesures ne sont pas prises donc par des mesures d'assistance ne sont pas prises donc par les différents États. Pour information, déjà on enregistre 4 compagnies aériennes à travers l'Afrique qui ont complètement cessé leurs activités en raison de la pandémie de la COVID.
et deux qui sont en administration volontaire, et plusieurs autres sont également en détresse, en grave détresse financière. Donc, sans aide financière urgente, nous craignons qu'on ait encore beaucoup plus de compagnies aériennes qui, malheureusement, devront être amenées à arrêter leurs activités et puis, par ricochet, plusieurs autres acteurs donc, de notre industrie du transport aérien. Pour information, il faut savoir que l'industrie du transport aérien en Afrique soutient 7,7 millions d'emplois sur le continent. Certains pays en Afrique, donc dans cette grisaille, ont commencé à réagir quelque peu en faisant des annonces. D'autres sont allés au-delà des annonces pour soutenir l'industrie. La situation étant extrêmement critique, on demande de pouvoir agir rapidement pour pouvoir sauver ce secteur. Cette industrie est vitale donc, pour le développement des différents pays. Donc, on fait beaucoup de plaidoyer par rapport à ça avec les gouvernements. Et au-delà donc, de ce plaidoyer en ce qui concerne donc, les supports financiers éventuels par... injection directe de cash, réduction d'impôts, etc. Donc, il y a un ensemble de mesures hein, qu'on a proposées, on va dire, aux différents États. IATA continue de communiquer sur le besoin urgent de rouvrir les frontières avec, bien entendu, des mesures autres que les mesures de quarantaine systématique qui permettent au maximum d'atténuer les risques sanitaires. Il est donc essentiel pour les gouvernements du monde entier de pouvoir adopter une approche harmonisée et coordonnée pour ouvrir ces frontières en toute sécurité, sans imposition donc des quarantaines systématiques en utilisant donc l'option de test. Donc ça, c'est la position de IATA pour arriver à l'ouverture donc des frontières de façon responsable. Donc l'industrie aéronautique a défini cette vision de tests systématiques avant le départ pour pouvoir donner au gouvernement la confiance nécessaire pour rouvrir les frontières parce que nous pensons que la quarantaine, quelle qu'en soit la durée, quarantaine systématique, donc continuera de détruire encore plus l'économie. Et les tests doivent, selon nous, remplacer et non raccourcir donc les quarantaines qui sont imposées dans les différents États. Alors, pour ne pas être très long, je vais terminer en indiquant que, de manière générale, un effort d'uniformisation donc des mesures permettra aux voyageurs de pouvoir reprendre confiance donc, au voyage et augmenter ainsi le niveau d'activité de cette industrie du transport aérien qui est fortement sinistrée et qui lutte en ce moment énormément pour sa survie. Donc voilà, de façon succincte et de façon ramassée, ce que je voulais dire en ce qui concerne les effets de cette pandémie sur l'industrie du transport aérien et les mesures éventuelles que l'IATA propose au gouvernement, aux États, pour pouvoir arriver à sortir donc, de façon graduelle de cette situation dans laquelle on est. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, merci pour ta présence, merci pour ton temps, merci pour ces clarifications. Alors nous l'avons entendu, le retour à la normale n'est pas pour maintenant, mais nous gardons espoir malgré le risque de perte d'emploi important, mais nous devons nous accrocher. Et voilà pourquoi Sabre se veut être votre partenaire technologique. Mélanie, tu veux rajouter quelque chose? Non? Non, je voulais juste vous remercier à tous pour votre attention et du coup, voilà, on espère que vous allez contacter très rapidement nos collègues dans vos différents pays. Tout à fait. Donc, nous remercions encore une fois chacun de vous ici présents. Nous avons vu vos messages d'encouragement aussi dans le chat. Panel. Merci à Marie-Hélène et Conné, à toutes ces personnes qui nous ont encouragés tout au long de ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas.
à nous revenir, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, où nous avons déjà nos bureaux. Et même si il n'y a pas encore de bureau Sabre dans le pays où vous êtes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours heureux de pouvoir vous accompagner avec nos solutions. Voilà. Nous avions promis de faire un call de 2 heures. Donc, il est 7:30. Nous avons légèrement débordé. Et nous espérons que vous nous pardonnez ce petit décalage. Encore une fois, merci à vous. Merci à votre participation. Merci pour votre participation et bonne continuation dans vos entreprises. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Nous savons que ce n'est pas facile. Peut-être que le secteur du tourisme est celui qui a été le plus impacté. C'est ce que nous pensons en tout cas parce que c'est notre secteur. Mais voilà. Bon courage à chacun de vous. Nous restons tout ensemble, nous restons connectés. Et tant que nous pouvons vous aider, n'hésitez pas. Nous sommes votre partenaire technologique. Nous sommes là pour vous. Et vive vous en tant qu'agence de voyage. Vive à vous, compagnie aérienne. Et vive à nous, Sabre. Merci beaucoup.